Une explosion a endommagé deux véhicules de police dans un commissariat du Chiapas, un état dans le sud du Mexique. Pour le moment, il n'y a aucune information sur les responsables. Cette région proche du Guatemala est dorénavant disputée entre différents cartels pour le contrôle du trafic de drogue et des flux migratoires. La police en fait les frais. 16 de ses agents ont été enlevés sur une route par des hommes armés il y a 2 jours. Plus de 1 000 employés des forces de l'ordre sont mobilisés pour les retrouver.